اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. N'est pas sûr. Ah, hey, comme si. Eh, c'est comment? On va parler de celui-là. Monsieur, enchanté. Sinon, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Voilà, monsieur. Je vais filmer là. D'accord. Voilà, c'est bon. Tu as été moulé, tu es tout là. De New York, c'est pas moi qui t'ai donné ce nom d'MC. C'est toi là, non, là tu dois payer. Merci beaucoup. Non, attends, MC là qui t'a donné le nom d'MC. On ne peut se le souhaiter. Tu t'es devenu quelqu'un là, tu as payé le nom là. Colonel. Ça marche. Dire merci à toute la communauté qui a bien voulu nous accompagner, bien nous soutenir dans ce moment difficile. L'armée tout entière pleure aujourd'hui un vaillant guerrier, un vaillant soldat. Et nous vous disons sincèrement merci pour tout ce que vous avez fait pour notre feu d'armes. Et que Dieu vraiment bénisse tout ce que vous avez fait. Amen. 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 Vous avez un mot à dire? Pardon. Oui, c'est ce que je dis. Hein. Là, vraiment, nous sommes beaucoup peinés pour ce qui arrive aujourd'hui. Et donc, moi, aujourd'hui, en tant qu'attaché de défense de Washington, je me devais d'être là à double titre. D'abord, pour cela, parce que le défunt a été mon collaborateur direct. J'ai travaillé avec lui, il était mon adjoint pendant que je commandais la garde républicaine. Donc c'est lorsque le président a bien voulu m'envoyer ici à Washington comme attaché de défense qu'il a pris ma place comme commandant de la garde républicaine. Donc vous voyez, c'est un frère que je pleure aujourd'hui à double titre parce qu'il a été mon collaborateur pendant 6 ans. Et aujourd'hui, le voilà frappé à Dieu. Mais c'est sa volonté. Et donc, nous demandons au Tout-Puissant, Allah, de recevoir son âme. Non, voilà ce que je peux dire. Merci. Vous pouvez savoir un peu la suite du programme.
la suite du programme, il faut dire que dimanche, comme vous savez, il y a la lecture coranique. Il y a la lecture coranique de dimanche. Et puis, le 1er février, voyez-vous, le 1er février, à 17h, nous avons la levée de corps avec des honneurs militaires que nous allons rendre à notre défunt Fred Dar, avant le transfert au JFK à l'aéroport. Et donc, le rapatriement va se faire ce 1er février et je suis accompagné ce corps-là, le frère d'armes. Et nous arrivons à Abidjan le 2 février. Et en principe, à partir du 2 février, nous remettons donc le corps officiellement maintenant à notre pays. Il rentre officiellement maintenant en Côte d'Ivoire. En principe, la suite du programme là-bas, c'est le chef d'état-major général qui donc va prendre le relais. Voilà, donc nous, notre mission va s'arrêter le 1er et à partir du 2, la Côte d'Ivoire prend le relais. Et voilà un dernier mot pour la population new-yorkaise, qu'est-ce que vous avez à dire aux New-Yorkais? Comme dernier mot, je dirais tout simplement merci. Okay. Parce que quand je vois tout ce regroupement, quand je vois tout ce monde venu, c'est là l'expression de l'estime et de l'amour que tout le monde avait pour ce vaillant guerrier. Et ça, cela me va droit au cœur, cela me touche. Et cela est réconfortant pour moi de savoir que ce frère d'armes qui a fait tant pour son pays est vraiment aimé. Voilà ce que je veux dire. Merci à la population new-yorkaise. Colonel, un mot pour Afrique Vision Nouvelle. Comment vous pensez de l'organisation même de la prière mortuaire auquel vous avez pris part? Cela s'est extrêmement bien passé. Et donc, nous nous réjouissons parce que pour nous, nous disons en fait que grâce au moins à cette prière, l'âme de notre défunt frère d'armes sera comme auprès du bon Dieu. C'est vraiment notre souhait. Ça donne demain que son âme le plus en fait. Et que Dieu, Abraham, le père d'âme, le père des croyants, puisse le recevoir dans son sein. C'est toute notre prière. Je vous remercie. Merci. Non, on est ensemble. Ouais, tu peux nous donner ton numéro, attends, on passe, non? Le numéro, on vient nous voler. Ouais, ouais. Bon, je vais, les gars, vous voyez. Salam alaikum, imam. Imam. Bon, voilà, vous allez voir ici. Le corps, ils vont transporter le corps présentement. Maman, tu as quelque chose à dire? Non, non, je n'ai rien à dire. Ah, ok. Pardon, je vais. Vraiment, on est content, on est satisfait. Ça dépend de lui, parce que de façon qu'il était gentil avec les gens. Pour venir, vraiment pour venir prier pour nous, on est très content, on vous remercie. Merci. On y va. Pardonnez, on va partir avec le corps. Allez, voilà, allez. Soulevez la table. Ça va.
Holland. Let me ask something. Quoi le colonel? Le demain, s'il a blanc du drapeau. Attends. Hold on. Non. Il y a un drapeau et quoi faire? Il y a plus de Après le débat, quand tu es prêt, hein? Moi, je suis prêt. Mais je dois faire le débat. Comment tu as fait le micro jusqu'à son départ? Dimanche, ce sera là. Ouais, c'est là. Moi, je vais suivre. Je sais pas où est la délégation. Dans la New York, j'ai vu. Allez, ouais, ça va très bien. Ça marche. Moi, c'est pas bien. Ouais, c'est moi qui appelle son téléphone. Il décroche pas. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ok. La dernière fois, je t'ai appelé là, je t'ai dit de me rappeler. Bon, vraiment, j'ai pas fait attention. Moi, c'est sur ton. C'était pour que tu parles un peu à chose au frère, comment ça s'appelle, qui est en France là. Blindé, Soulé. Soulé, je crois, Soulé de Paris. Tu sais, quand il était en train de parler de l'accident, il a dit non, que c'est un proche même de la présidence, même qui a fait. C'est des choses, on ne dit pas. Tes sources sont tes sources.